histoire que j'appellerais canonique du système de John Law, qui prend effet à partir de 1716. Donc Louis XIV vient de mourir. Il a laissé son royaume, enfin les finances surtout de son royaume, dans un état catastrophique. Et il faut trouver de l'argent pour financer la dette publique et le déficit public qui sont gigantesques. Et on a un Écossais nommé John Law, ou Jean Lass à l'époque, qui a des projets de banque publique depuis déjà plusieurs années, qu'il a soumis au Parlement d'Écosse, qu'il a soumis au roi Victor Amédée de Savoie, et qui va les soumettre au ministre de Louis XIV, puis à Philippe d'Orléans, qui va devenir régent de France en 1715. Ces projets, ça consiste en deux parties dans la fusée. La première, c'est une banque. D'abord une banque privée, qu'on va appeler la Banque Générale, qui va devenir la Banque Royale en 1717, qui va émettre du papier-monnaie pour le compte de la couronne. Et le deuxième étage de la fusée, c'est la création d'une compagnie de commerce. Compagnie de commerce qui existe déjà, qui doit coloniser la Louisiane et échanger avec la Louisiane, et qui va peu à peu absorber toutes les compagnies de commerce françaises. Et ce qu'on va appeler le système, il va se terminer, si vous voulez, dans un énorme crash financier, puisque les actions de la compagnie de commerce vont donner lieu à une très forte spéculation. Spéculation qui va se terminer en 1720, alors que John Law veut, si vous voulez, faire baisser le prix des actions, qui a beaucoup, beaucoup monté. La panique se déclenche et le prix des actions s'effondre. John Law est obligé de quitter la France en décembre 1720, alors qu'il est menacé physiquement, et tout son système s'écroule. Tout son système s'écroule et on va en retenir un crash financier, une opération purement monétaire et financière. Et ce récit canonique ne m'a pas complètement convaincu. Et j'ai voulu écrire effectivement cette autre histoire du système en prenant les questions de plus loin et de plus haut. Ce que j'ai voulu faire, c'est partir de ce qu'on appelle la crise de la conscience européenne à la fin du XVIIe siècle, l'idée selon laquelle le pacte monarchique, il est vacillant. On a un problème, le modèle guerre-conquête de Louis XIV, le fait qu'on va prélever des impôts sur les classes productives pour les donner à des classes oisives, il est de plus en plus remis en cause par des pamphlétaires, des utopistes, des théologiens. Et moi, je me suis basé sur cette remise en cause du pacte social Louis XIVien, du pacte social monarchique, pour inscrire le système dans ce que j'ai appelé un léviathan économique, c'est-à-dire la mise en place, finalement, d'un proto-dirigisme par l'État, État qui va devenir le pilote du commerce extérieur français, d'une grande partie du commerce intérieur français, et qui va tenter, à la fois par la propagande, par de nombreux réseaux qui sont un peu extérieurs à John Law lui-même, qui vont tenter de mettre en place, finalement, une réforme complète de la monarchie française, avec une destruction des corps intermédiaires, la fin de la concurrence, la fin de l'intérêt individuel et finalement une tentative de refonder le pacte social d'une manière tout à fait nouvelle. Au tout début, c'est l'incompréhension vis-à-vis de ce système. Ceux qui possèdent des grandes compagnies de commerce qui vont se faire absorber par la compagnie de John Law vont évidemment s'étouffer, ils vont refuser ce principe. Le peuple lui-même va être très sceptique, mais très vite, il va se rendre compte que grâce au billet, il peut rembourser ses dettes. Et on va avoir un remboursement massif des dettes privées, un remboursement important de la dette publique également. Et les conséquences économiques du système vont être assez positives sur le royaume de France. Il retourne très brièvement en Angleterre, mais finalement, il ne va pas pouvoir s'installer là-bas. Il a tué un homme en duel en 1694. Il a une histoire tout à fait rocambolesque et incroyable, romanesque, au sens le plus pur du terme. Et il va ensuite aller vivre à Venise. Et c'est là-bas qu'il mourra en 1729, dans une, pas dans la misère, mais dans une pauvreté relative.